Salut à toutes et à toutes les amis, c'est Parcours Châtelain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dessin. Avant de commencer ce tuto dessin manga, je vais vous montrer quelques des dessins. Là, on va retrouver un tableau de peintre avec une fenêtre, un arbre, un soleil qu'on voit à travers de la fenêtre. Là, j'ai trop mal fait, c'est... un peintre qui peint un autre peintre et qui peint un autre peintre. Qui était assez dur à faire. Ah, pardon. Ensuite, un manga. Un manga, voilà. Que j'ai plutôt bien fait, je trouve. Ne vous inquiétez pas si vous voyez ma bouche. C'est fait exprès. Je trouve que je l'ai vraiment bien fait. Reste peut-être le corps que j'ai mal fait. Un autre manga avec un cache-œil. Alors ce manga, je me suis inspirée d'un livre qui s'appelle La Chronique de la Lune Noire. Et moi, j'ai que le 8 ou 9, je crois. Ensuite, un autre personnage de manga. Je me suis inspirée de plein de mangas. L'œil rouge à taille de temps, je ne sais plus. La cicatrice avec tous les mangas. Ça c'est raté. Là, la bonne page. Non. Là, il y a une dent. Un chien qui est dans. Un loup qui est dans. Je sais pas si vous connaissez dans le jeu Okami. Ma signature et c'est un dessin que j'ai complètement raté du coup et j'ai fait en sorte d'un petit tuto. Ensuite on retrouve une machette ou une épée comme vous voulez, une glace kawaii et un ours. Il y aurait plus un koala mais un ours. Ensuite un manga ici là, un manga que je trouve très joli. Il a été inspiré d'un manga japonais, je sais plus comment il s'appelle. Si je retrouve, je mettrai en barre d'infos. On commence à attaquer sur du lourd. Petit Goku qui... Alors attendez. Petit sur Goku sur son nuage, avec les traits du nuage, je me suis inspirée du livre de celui-ci. Pardon. Celui-ci, les traits et tout, je les ai fait, regardez là. J'ai tout fait. Sauf peut-être le visage qui a mal fait. Il manque juste le vieux à faire. Ensuite, celui-là, juste en dessous, là, c'est lui. Là et là. C'est les deux. Allez, on passe au... Là, on a Vegeta. Je trouve qu'il est archi bien dessiné. Focus. Mais je trouve que j'ai archi bien dessiné. Ça reste mon dessin préféré. Voilà. Ensuite, je vois Goku et Son Gohan, je crois. Je crois que je dis des bêtises, mais je crois. Hein. Et après, ici, il n'y a rien de dessiné. Parce que ça serait le tuto d'aujourd'hui. Alors pour ce tuto, il vous faudra bien sûr, voilà, vous allez voir un envers, mais c'est pas grave, sinon je pourrais pas le dessiner. Il faudrait que je trouve un autre moyen. Alors pour dessiner, bien sûr, il vous faut un matériel basique, c'est-à-dire un critérium et une gomme. Alors c'est parti, on commence. On va commencer par faire une tête, comme ceci. Et là, vous allez commencer à le faire aplatir, là, comme ça. Assez grosse quand même, n'ayez pas peur. Là, vous allez faire comme ça. Juste avec les traits.
comme ceci, les oreilles. Comme ceci, la deuxième, c'est la faire plus petite parce qu'il est de côté. Bah, il n'est pas vraiment de côté, mais voilà, on va dire qu'il est de côté. Ici, on va faire les yeux. Pour les yeux, ça va être très simple. Alors, moi, je me suis trouvé un style de l'œil. Avec le sourcil, l'œil et l'œil. Un peu carré. Donc, bon, ça fait moche, mais ça fait manga. Et la carré, et la rectangle, mais sur le côté. La petite cicatrice. Voilà. Le temps passe aux cheveux. On va faire une grosse touffe. Une énorme touffe. Voyez. Comme ceci. Ensuite, on va faire une bouche en colère. Voilà, et un nez. Un nez simple et un triangle sur le côté. Alors, c'est un petit bonhomme. J'ai pas pu bien dessiner parce que vous voyez pas sur la caméra, mais je suis dans une position très mal à l'aise. Hein. Du coup, c'est assez dur de dessiner. C'est pas que je sais pas dessiner, comme vous l'avez vu, les dessins sont assez bons. Mais c'est pas ça, mais c'est juste que je suis dans une position très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise là, dans cette position là. Ouais, du coup, c'est la fin de ce tuto, ça fait quand même 5 minutes. La moitié du temps, c'est pour montrer mes dessins. Alors, si le Végéta t'a plu, tu likes, ou mes autres dessins, tu likes, tu commentes, tu partages, et tu t'abonnes, et tu commentes. J'ai gagné. La fin de la vidéo? Ah non, ma tête. On la voit pas. On ne verrait pas mes cheveux. Ah merde, j'ai une casquette. Alors, si vous aimez bien ce nouveau format de dessin, oui, parce que j'ai déjà fait un autre tuto, mais on ne voyait pas comment je dessinais. Si vous aimez bien ce format, bah, comme je vous l'ai dit, comme pour le Végéta. Allez, peace!